on va commencer par la première question. Comment vous est venue l'idée de créer MG2 Mix ? L'idée de départ, c'est qu'on a appris en 1988 que la société, la branche de la société dans laquelle on travaillait, avait décidé de vendre cette activité-là. On voulait racheter l'entreprise par les cadres, ce qui a été effectivement refusé. Et donc la question s'est posée de ce qu'on allait faire après. Il y avait deux possibilités, la possibilité d'aller à la concurrence puisqu'on était sollicité. On a été sollicité par un certain nombre de clients qui nous ont encouragés à effectivement voler de nos propres ailes. Et on a choisi de créer MG2 Mix. Donc voilà le schéma de démarrage ou la raison de démarrage. Et quelle était votre spécialité chez MG2 Mix ? MG2 Mix, effectivement, c'est divisé par deux. Donc, chacun avait sa spécialité. Il y avait d'une part la spécialité technique pour moi qui concerne la volaille et l'autre spécialité technique pour mon collègue qui était le porc. Au niveau gestion, Jean était plutôt dans les chiffres, moi plutôt dans le social. Hein, donc, ça nous a permis effectivement de bien s'entendre sur ce plan-là. Sachant qu'au départ, les formations qu'on avait eues et les activités qu'on a eues étaient surtout sur la formulation des aliments dans les spécialités de chacun. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur votre plus belle réussite chez MG2 Mix, un effet marquant qui vous a touché ? Bon, la première chose, c'est la création quand même, parce qu'il ne faut pas l'oublier, hein, 89, c'était important. C'est quand même un basculement d'activité avec des incertitudes où vous avez toujours dans ces situations-là des gens qui vous disent que vous faites la pire des choses, qu'il ne faut surtout pas faire ça, que ça ne va pas dans le sens de l'histoire. Une date qui m'a marqué et je pense qu'il nous a marqué. On a reçu un Oscar des créateurs en 1992. Là aussi, c'était une année assez, assez forte, hein, assez marquante. Puis si on fait un grand bond, des choses qui nous ont marqué beaucoup, c'est d'avoir réussi à transmettre l'entreprise dans le format où elle était. Qu'on a mis 6-7 ans pour la préparer, donc c'est important. Et si je devais faire un souhait, ça c'est pour les gens qui sont là aujourd'hui, que demain, un peu plus tard, quand la question se posera, la même chose puisse se faire. Est-ce que pour vous, les valeurs aujourd'hui d'MG2 Mix en 2020 sont les mêmes qu'elles étaient en 1989 ? Alors ça, j'ai envie de répondre d'abord que c'est une question où les gens qui sont en place aujourd'hui peuvent avoir plus facilement la réponse que nous. Mais vu de l'extérieur, vu de ce qu'on en connaît et des contacts qu'on a dans la société. Notre ressenti aujourd'hui, c'est moi particulièrement, et je pense Gérard aussi. On pense que le schéma qui était, enfin l'esprit du moins, qui était en place quand on a créé et développé la société est toujours là. On a aussi, on ressent un esprit convivial. Hein, je pense qu'il y a des témoignages qui sont assez marquants. Et le fait qu'on nous fasse venir aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est aussi une raison qui nous démontre, enfin quelque chose qui nous démontre que cet esprit-là existe toujours, puisque cette volonté de garder un fil de l'histoire nous paraît intéressant et démontrer que ça continue. Est-ce que vous pouvez me citer trois mots pour décrire MG2 Mix ? Alors, le premier qui me vient à l'esprit, mais c'est toujours le même, et je pense que mon collègue aura dit le même. C'est indépendance, société innovante et conviviale, la convivialité de l'entreprise. Donc, autrement, en dehors de l'indépendance, il y a la proximité vis-à-vis des gens qui sont en interne, donc des hiérarchies relativement plates, et puis... En troisième point, pour dire la simplicité, pour avoir des relations simples avec toutes les personnes qu'on contacte. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que vous êtes fier de ce qui est devenu MG2 Mix ? En ce qui me concerne, comme Gérard, on est fier effectivement de là aussi de la perception de ce qu'on a transmis. L'objectif, c'est que ça continue, et ça continue, et ça continue bien. Ça se développe en interne avec un effectif qui a progressé, mais qui a progressé parce qu'il y a aussi un développement en externe et que l'axe qui avait été entrepris dès 2003 de développement à l'export a continué à être développé et ça assure l'essentiel, quand même, ça assure bien l'avenir de la société. C'est une transmission, c'est pas une création. Et nous, notre souhait, c'est effectivement que ça se pérennise dans l'avenir et que en fait le succès ce serait de pouvoir faire la même chose dans les dans les années à venir, que l'entreprise puisse être pérenne par une transmission réussie, une deuxième transmission réussie.